Tous, chers internautes, chers amoureux de l'agriculture, bonjour et bienvenue sur Linné Agro. Aujourd'hui, j'ai ce réel plaisir de vous refaire un peu l'exercice concernant le marcottage. Le marcottage est l'une des opérations de la multiplication végétative. Elle permet de reproduire la totalité de la variété en termes de qualité organoleptique. C'est-à-dire quoi? Avec cette technique, vous aurez les mêmes fruits au même goût. Mais ce qui est encore plus important, c'est que vous allez assister à une diminution ou réduction de la mise en production. Par exemple, si votre arbre fait 8 ans pour donner des fruits, donc par plantation à partir de la graine ou du noyau, mais avec cette technique, vous aurez les fruits à partir de 3 voire 4 ans. Donc c'est très important. Et si on veut s'engager finalement à faire des vergers ou des grands vergers, on ne peut pas procéder par des méthodes de multiplication directes. C'est-à-dire que par des noyaux ou bien par des graines. On doit procéder par des méthodes de multiplication indirect, c'est-à-dire que les méthodes de multiplication végétative. Donc ça, vous devez comprendre ça. Et ce sont des méthodes très simples. Donc pour revenir sur notre sujet, dernièrement nous avons eu à présenter ce qui était le marcottage. Le marcottage consiste à faire pousser les racines sur un rameau. Une fois que les racines ont émergé, vous pouvez passer au sevrage et à la mise sur pépinière ou bien en plein champ. Donc cela dépendra de vos objectifs. Mais pour réussir votre marcottage, il y a 3 éléments fondamentaux à savoir. Le premier, c'est le choix de la tige à marcoter. On ne choisit pas n'importe quelle tige. On choisit des tiges à outer, c'est-à-dire quoi, qui présentent une coloration un peu rougeâtre, voire un peu marron. Mais pas des tiges de couleur verte. Comme ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas prendre. Et il faut prendre des tiges qui ne sont pas exposées au soleil. Deuxièmement, il faut voir la qualité du substrat à mettre. Quel est le substrat que vous devez mettre? Parce que la qualité du substrat influencera la formation des racines ou la vitesse à laquelle les racines pourront se former. Et troisième, veillez à ce que votre substrat soit toujours humide. Il ne faut pas qu'il soit séché. Donc, si vous constatez que votre substrat a séché, prenez votre seringue. Donc, à travers ça, venez et pompez à l'intérieur. Donc, nous avons eu à réaliser et aujourd'hui, après 2 mois sur ce citronnier, nous allons faire ce travail. Donc ici, ça a été fait. Ça, c'est un travail qui a été fait. Donc aujourd'hui, on est à 2 mois. Donc il y a déjà apparition des racines. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut sevrer. Sevrer, c'est quoi? C'est enlever cette partie que vous devriez finalement mettre sous terre. Voilà. Regardez, c'est ça. Vous voyez un peu? Donc, ça a donné comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons couper ici. On ne peut pas couper par là parce que les racines poussent toujours de l'extrémité supérieure vers l'extrémité inférieure et non le sens contraire. Regardez bien l'orientation. Donc, nous allons couper, sevrer à partir d'ici. Donc, c'est ça qu'on appelle par sevrage. C'est couper ou faire détacher la branche. Voilà. Voilà, donc ici, nous avons sevré. Et c'est cette partie-là qui sera finalement mise sous terre. Là, donc, là. Donc, avec cette méthode-là, nous reproduisons la totalité de l'ADN de cette plante-là, donc de ce citronnier-là. Vous voyez un peu? Donc, mais comme nous ne pouvons pas se balader avec tout,
il faut éliminer d'autres parties, telles que ça là. D'autres branches peuvent être éliminées. Ce n'est pas important pour nous. Voilà. Nous éliminons d'autres. Voilà. Voilà. On peut éliminer d'autres. Voilà. Nous éliminons. Et le reste, nous pouvons transporter ça chez nous. Ou bien directement mettre, si vous avez préparé à votre endroit, vous pouvez directement mettre. Au cas contraire, donc chers tous, c'était donc là une présentation sommaire sur la technique du marcottage qu'il ne faut pas confondre avec la technique du griffage qui consiste à prélever un rameau sur un arbre ayant déjà donné des fruits et que l'on doit coller ou souder avec un pied franc. Donc, ce qu'on appelle par porte-greffe. Donc, ici, ça ne sert, ce n'est pas ça, mais c'est une méthode plutôt qui permet ici de faire pousser des racines sur un rameau et de sevrer. Donc, ça là, on appelle ça par méthode de marcottage. Et l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura pas présent de la racine pivotante principale. Donc, du fait que la racine pivotante présente ne sera pas ça, elle ne sera pas là. Donc, il faut veiller à ce que vous mettez au fur et à mesure, quand l'arbre va grandir, il faut mettre des spores parce que c'est très fragile. Et au cas, dans le cas d'un vent violent, cela peut partir. Donc, chers tous, je crois que cela vous a plu. N'hésitez pas de nous écrire et partager cette vidéo pour permettre finalement à ce que la productivité agricole en Afrique et plus particulièrement au Congo devient de plus en plus importante. Cela étant dit, je vous dis donc au revoir, gardez l'écoute sur Lini Agro et merci. Bye.